session brochée aujourd'hui. On est trois. Il y a Jean, il y a Lucas. On pêche tous le brochet. On va utiliser des techniques différentes et on va vous expliquer comment on fait au cours de la session pour essayer de capturer du brochet tant bien que mal. Parce que là, il y a des grosses, grosses chaleurs et c'est très compliqué de taper du poisson. Alors moi, je vais utiliser le spinner. C'est un leurre classique vraiment à avoir dans ces boîtes. Parce que on pêche des biotopes assez avec beaucoup d'herbiers. Et donc ça m'évite de m'accrocher. Il y a aussi des troncs. Donc on passe à travers les obstacles. Jean, il est à quoi? Au spin tail. Au spin tail. Donc on va jouer aussi un souple à palette. Le souple à palette, ça va être plutôt pour jouer justement avec ce qu'il y a au-dessus de nous, là, le soleil. Ça va faire des gros flashs lumineux et en blanc encore plus. Et ensuite, Lucas, qui est derrière là-bas. Moi, je suis avec des petites gerres comme ça. Donc là, c'est le 4 for play. Toujours avec des coloris pour les flashs lumineux. Donc soit à palette ou soit avec des plaques à l'intérieur qui font des reflets. Il est parti. Bon, ben déjà les flashs lumineux au spin tail, ça a l'air de plutôt fonctionner. Déjà une suite d'un brochet. On est toujours sur la même fosse, mais là je vais changer de leurre. Je vais passer à la frog, je l'ai jamais fait ici. Et on va essayer au-dessus des herbiers carrément. Les deux, il y a toujours Jean au spintail, Lucas au Sandra. Là, il est passé au Sandra maintenant. Et moi, je vais vraiment aller chercher dans les herbiers même, voir s'il n'y en a pas un qui traîne là-dessous. Les gars, je me suis fait une copine. Les gars, on va attraper une grenouille aujourd'hui. Elle est juste là. Elle kiffe ma frog. Regardez, elle la suit. Là, elle me fait une. Et voilà, brochet. Ça a enfin marché avec un montage fait maison en plus. C'est ça l'avantage d'avoir une pince comme ça. C'est que on évite de mettre les mains dans la gueule du brochet. Voilà un leurre chez Fox avec un montage fait maison. Et ça a payé. J'ai même pas le combat. J'ai pas le combat, la GoPro elle tournait pas. Tu trouves l'endroit, normalement c'est un endroit où il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a pas ses dents. Voilà, c'est parfait ça. Yeah! Yes! Joli pike. Essaye de retirer ta main. Voilà. La mettre le plus bas. Ouais, voilà. Nice, il est pas mal. Hein. Il est maillé. Ouais, il est maillé. Oh bah. Hop, il est reparti à l'eau tout de suite. Ouais, il était maillé. C'est cool. Il était maillé. La technique, elle a payé. Ouais. Bon, on a trois quand même, donc fallait que ça paye au bout d'un moment quand même. Voilà l'état du leurre après le brochet. Des bons gros trous. Bien abîmé quand même. Hein. Même de ce côté là. Je suis content quand même parce que c'est le deuxième bras qu'on avait fait cet été. On va changer, on a tellement de leurres qu'on peut y changer et je change pas assez en fait. On va sortir du crank là.
Hop là. Celui-là, crank de Sakura. Ce sera parfait. Plus de touches depuis un moment. Là, on arrive sur un secteur où c'est impossible de pêcher au crank comme je le faisais en se prenant tous les herbiers. Donc, j'ai monté mon petit Whopper Plopper. Là-bas, ils sont au leurre de surface aussi. Un Whopper et un Stick Bait, je crois, là-bas. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut faire là quand il n'y a pas beaucoup de fond. On va mettre ça et on va voir si ça tape. Session terminée. Lucas y aura réussi à faire un poisson, on s'en est pas mal sorti. Avec cette chaleur, Jean il fait aussi bouger un poisson. Donc avec la chaleur là, c'est vraiment une session pas mal. Je pense que même si j'ai pas le combat parce que la GoPro elle était pas allumée, je croyais qu'elle était allumée. C'est con ça. Mais voilà, c'est juste le principal, c'est d'avoir les conseils et de savoir s'adapter. Donc si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas. Petit like, le commentaire. Le partage, alors là, le partage, c'est encore mieux. Et puis abonnez-vous si vous voulez. Allez, ciao, ciao, ciao.